Hey, salut tout le monde, ici Thomas Damio pour Thomas Consomme local aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fruit de deux entreprises que j'aime bien. On parle de État de Choc et Allo-Simone. Comme vous savez, Allo-Simone, j'aime beaucoup leur Nutella. Et État de Choc, ici, une compagnie qui font des bean to board québécoises, donc des barres de chocolat, mais qui part aussi de la production se fait au Québec. Bref, pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de leur nouveau dernier produit qui est du Nutella. Je dis Nutella parce que c'est plus du caramel banane plus chocolat noisette plus gruyère. C'est extrêmement bon. Je vous le recommande vraiment. Caramel banane, vous avouerez, j'avais jamais vraiment pensé en tant que tel de mettre du caramel et des bananes ensemble. Pour une raison X, je ne pense pas. Mais ça plus le chocolat noisette, c'est super bon ensemble parce qu'on sait banane et chocolat, ça va super bien. Et en plus, il y a des petits morceaux de gruyère dedans. Donc, c'est du comme des petits morceaux de chocolat. C'est pas de chocolat, mais là, ça goûte le chocolat. Donc, vous mettez tout ça ensemble, puis honnêtement, c'est tellement bon. Vous avouerez, c'est quasiment meilleur manger à la cuillère que sur une toast rendue là, parce que c'est juste. C'est comme une gâterie. Of course, on s'entend, il marque caramel dessus, chocolat, c'est bon. Donc, bref, je vous recommande. C'est le même prix que les autres produits Allo-Simone, donc c'est environ 15 $ le pot. C'est donc pas non plus pour les enfants. Si on peut dire, j'en donne quand même aux enfants pour qu'ils leur goûtent, mais disons que je le garde pour moi et ma conjointe. Donc, voilà.